Les mille ont du corps, on rentre le ventre, on serre les fesses, on tire les bras, tire les jambes, tourne les jambes, descend les jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, si tu veux, tu peux garder les jambes pliées. Si tu veux, les jambes sont tendues. Si tu veux, les jambes sont tendues et descendues. Et si ça te tente, ben, tu peux monter en teaser. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Et là, si tu veux, tu peux combiner avec l'extension des deux jambes. Et 1, 2, remonte. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dernière fois, 1, 2, 1, 2, et voilà. Je suis prêt pour faire l'enroulement, quand bien allongé, bien étiré. Donc, dès que je commence à lever, je vais rentrer mon ventre et coller le bas de mon dos au sol pour après ça lever uniquement avec mes abdominaux. Je fais une rétroversion et après je vais lever. Alors, on inspire, on laisse seulement les omoplates, entre le ventre, rétroversion, on remonte. Dos bien droit, tire la tête vers le plafond. On vient bien allonger devant pour 5, 4, 3, 2, 1. Lève les coudes, tire les bras derrière pour 10. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, descend les épaules, bras sur les côtés, devant rétroversion, je commence par le coccyx, le ventre est soutenu, j'ai déroulé vertèbre par vertèbre. On inspire, on laisse seulement les omoplates, entre le ventre et rétroversion, on remonte, dos droit, on vient bien allonger le ventre pour 5, 4, 3, 2, 1, lève les coudes, tire les bras derrière pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5. Alors les pieds sont pointés, les jambes sont bien tendues, je vais tirer le derrière de mes jambes en même temps. Descends bien les épaules, bras sur les côtés, devant rétroversion, hop, et tranquillement, on déroule en grandissant le corps. On inspire, on laisse seulement les omoplates, on remonte dos droit, on vient bien allonger devant pour 5, 4, 3, 2, 1, ou les jambes. Torse en un côté, hanche, tire, tire pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, dos droit, torse de l'autre côté un petit peu plus loin, hanche, tire, tire pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, attention, ferme les jambes, et les jambes, descendez les épaules, vos pieds droits, on descend jusqu'à ta qu'on soit en contraction, bras devant pour 5, 4, 3, 2, 1, en haut et 1, 2, 3, 4, 5, au dévi, 1, 2, 3, 4, 5, amenez la terre ensemble, torsion vers moi pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, l'autre côté pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, on revient au centre, seulement le torse vers le plafond et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on va faire une torsion vers moi en diagonale vers le plafond pour 5, 4, 3, 2, 1. Torsion de l'autre côté et 5, diagonale vers le plafond. 4, 3, 2, 1. On revient, on vient pencher en avant pour 5, 4, 3, 2, 1. Ah, lève les coudes, tire les bras derrière pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, descendez les épaules, bras sur les côtés, devant rétroversion, hop, et tranquillement, on déroule vers le par l'effet. On se prépare pour faire la fesse. Les genoux sont presque collés, on éloigne un peu les pieds. Rentre le ventre, rétroversion, isole les abdominaux, pose seulement le bassin, hop! Et là, de là, je vais aller un petit peu plus haut, mais jamais plus bas. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4,
2,
pause. Un, pause. Et on va là. On va prendre la même chose. On va prendre l'autre jambe. Alors, lève l'autre corps. Tire les bras. Tire une jambe. L'autre jambe. Alors, descend droit devant. Et un, deux. Remonte en diagonale. Et un, deux. Hop. Un, deux. Lève l'autre corps pour bien sentir les abdominaux qui travaillent. Tu peux descendre un peu la jambe qui reste en place. On va aller chercher le bas des abdominaux. Descends, 1, 2, hop, diagonale, 1, 2, hop, 1, 2, encore vers la poitrine, diagonale, 1, 2, hop, 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 1, 2, dernière fois, et 1, 2, hop, et 1, 2, hop, et on relâche. On refait la pièce, maintenant on va faire le contraire. Mes pieds vont être collés ensemble, et je vais ouvrir mes cuisses. Entre le ventre, pousse le bassin. Et à chaque fois que je le fais, c'est comme si je devais rentrer mon ventre et pousser mon bassin. Je garde toujours cette belle position. 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2,
Enroule 1. Deux, dernière fois. Enroule 1. 2. Déroule 1. 2. Enroulage. Les jambes tendues. Les jambes vont être bien tendues et pointées. Je vais faire un redressement assis. Donc, je vais faire 1, 2, 3, milieu. 1, 2, 3, l'autre côté. 1, 2. Tu vois que je fais ça Ok, alors, question, en fait, votre rétroversion, on commence droit, donc on commence le devant. Devant et 1, 2, 3, donc diagonale vers le plafond et 1, pousse vers le plafond. 3, reviens au centre et 1, 2, 3, l'autre côté et 1, 2, 3, reviens au centre et 1, 2, 3, l'autre côté et 1, 2, 3, reviens et 1, 2, 3, l'autre côté et 1, 2, 3, reviens et 1, 2, 3 côté, 1, 2, 3, redescend, 1, 2, 3, dernière fois, et 1, 2, 3, on revient, et on descend. On va aller sur le côté, on se prépare pour faire la taille. Alors, mon corps est bien allongé, bien étiré. Ce que je vais aller chercher, c'est ma taille sur le dessus. Il va falloir que je vais faire une rétroversion du bassin pour aller chercher mes abdominaux devant, pour additionner, donc ajouter la taille. Alors, mon corps est droit, droit, droit. Main devant, en avant de la vitesse et hop. Je vais essayer d'être droite, droite, droite. Et d'aller chercher ma taille. Donc, je vais faire une belle rétroversion. Les jambes sont parallèles l'une sur l'autre. Donc, le ventre, rétroversion. Et donner une redressement assis si tu veux. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a bien la jambe qui est en dessous. 9, 10, 1. Donc, je m'assure d'être droite, droite, droite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, et on relâche. On va refaire. Donc, comme quand je fais un redressement, je vais rentrer mon ventre, je vais basculer mon bassin et ensuite je lève. Je vais faire la même chose, mais sur le côté. En position, entre le ventre et rétroversion. Et hop! Et 1, 2, 3, 4, 5. Il y a la jambe qui est en dessous. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Tire bien tout le corps. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Les jambes à 90 degrés, on est sur le haut du corps. Mais derrière la tête, on bloque bien la hanche. Je veux pas que ma hanche recule. Alors, je vais pousser quasiment ma hanche vers l'avant. Mais ma hanche ne va pas vers l'avant. Rentre le ventre et conversion. Donc, mes pieds vont rester collés ensemble. Je lève jusqu'à temps que ça bloque. Si ma jambe est beaucoup plus ouverte, c'est parce que j'ai reculé ma tête, je ne vois ça. Alors, bloque ta hanche. Rentre le ventre et rétroversion. Tu lèves jusqu'à temps que ça bloque. Là, tu fais 5 pour davantage. 4, 3. Donc, je vais au maximum. Le gars, j'essaie pour 5 fois d'aller encore plus loin. 5, 4, 3, 2, 1. On descend bien dans la contraction, comme si j'avais un ressort vivant. Main derrière la fesse. Repose, pousse. Et 5, 4, 3, 2, 1, descend, et 5, 4, 3, 2, 1, descend, et 1, 2, 3, 4, 5, descend, et 5, 4, 3, 2, 1. Même chose, mais les pieds dans les airs. Étire bien le haut du corps, entre le ventre, rétroversion. C'est juste ce que j'ai fait, entre le ventre, rétroversion. Bloquer la hanche, on lève jusqu'à temps que ça bloque, et on pose l'avantage pour 5, 4, 3, 2, descend, garde dans la contraction, vraiment comme si tu avais un ressort entre les jambes. Et 5, 4, 3, 2, 1, descend plus fort. Et 1, 2, 3, 4, 5, descend. Et 1, 2, 3, 4, 5, descend. Et 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, on va ajouter un développé. Donc, hop, développe jambes bien tendues, ramène les pieds ensemble, on bloque, on pousse, pousse, et on descend devant, puis soutenu. Et hop, développe. Reviens, bloc, pousse, pousse, descend. 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 Dernière fois, et hop, développe. Reviens, garde la position pour 5, 4,
3, 2, 1, et on descend. Même les jambes appliquées sont sur les chevilles, ça fait du bien. On va se préparer pour faire le va-et-vient simplement pour s'échauffer un petit peu. Alors, mes jambes peuvent être légèrement en V. Je peux être touchée sur mon bras pour avoir la colonne vertébrale dans sa position naturelle. Ou si vous voulez. Alors, je vais lever la jambe à la hauteur de la hanche, le côté de la cuisse vers le plafond. Le ventre est soutenu. Je vais amener la jambe loin devant et loin derrière pour aller chercher le derrière de la cuisse et la fesse. Alors, en position, main devant si tu veux, ou pas de main. Devant et un, deux, loin, derrière un, deux, devant un, deux, 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 derrière un, deux, deux fois et un, deux, derrière un. Deux, dernière fois, un, deux, derrière, un, deux, et on relâche. On est déjà à 90, on est sur le haut du corps en demande de conversion. Bloquez la hanche, et là, je vais lever la jambe jusqu'à temps que ça bloque. La jambe va toujours revenir à cet endroit initial. Le genou est à la limite plus haut que le pied. Je vais faire genou ensemble, lever le pied, bloque, pointe, bloque. Alors, on y va. Et genou, bloc, pointe, bloc, bloc, bien ta hanche aussi, derrière un, hop, devant, derrière, genou, pointe, bloc, genou, bloc, 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 pointe, bloc, genou. Bloc, point, bloc, genou, bloc, point, bloc, genou, bloc, point, bloc, genou, bloc, point, bloc, et on relâche. Maximal, ok, vous voyez des blocs d'instant, alors les jambes sont légèrement enlevées. Je vais juste étirer un peu ma jambe pour me donner une chance. Pointe flex. Alors, ce que je vais faire un, deux pliés en gardant la contraction, développe en gardant la contraction, deux jambes étendues. Et je descends. Étire les mots du corps, le ventre est soutenu, rétroversion. Alors, et un, deux, plié, tire, tire, descend. Et un, deux, plié, développe, descend. Et un, le ventre est soutenu, les jambes sont bien tendues, les pieds sont pointés. Et un, deux, plié, développe, descend. Et un, deux, plié, tire, tire, descend. Et un, deux, plié. Développe, descend, et un, deux, plié, développe, descend, et un, deux, plié, développe, descend, et un, deux, plié, tire, tire, descend, dernière fois, plié, on développe, et on descend, super, adduction, la jambe sur le dessus s'en va derrière, demi-pointe si tu veux, on fléchit bien, regardez ce que j'ai fait, fléchit bien le pied, tire bien ton talon, et tourne la jambe un peu vers l'intérieur. L'extérieur. Alors, en bas, milieu. En haut, et un, deux, trois, milieu. En bas, milieu. En haut, et un, deux, trois, milieu. En bas, milieu. En haut, et un, deux, trois, milieu. En bas, milieu. En haut, et un, deux, trois, dernière fois. Là, je vais rester en haut, je garde la même position. Plié. Et pousse, pousse. Plié, pousse, 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 plié, pousse. Dernière fois, tu gardes la position, petit à peu dans l'avant pour 5, 4, 3, fléchis tes pompiers, 2, 1, dans l'autre sens, et descend, pousse vers le plafond, descend, pousse vers le plafond, descend, pousse vers le plafond. 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on relâche. Avant d'aller de l'autre côté, on va se préparer pour faire la planche qui est en bas, push-up. Alors en position tout le monde, en position et hop, push-up.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je répète encore. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Push-up et 5. Hop, 4, hop, 3, hop, 2, hop, 1. Et on va se préparer pour faire l'autre côté.